Oui, voilà, et du coup, s'ils sont présents dans la nature, c'est qu'ils sont de signaux ramenés par les profs. Oui, mais je pense du coup que, en fait, c'est le prof peut-être qui te les donnera au fur et à mesure de l'aventure. Peut-être que tu auras un starter au début, et peut-être qu'au fur et à mesure, il tirera les autres. Ou peut-être qu'à la fin du jeu, tu récupéreras les trois. Il y aura forcément un truc comme ça, en fait. Pokémon de tête sera vivant dans l'Overworld, je ne sais pas. Salut The Blond, comment tu vas? Ah non, c'est The Blonde, du coup. Je me souviens plus, je t'avoue. De comment on prononce ton pseudo. Le Balbuto qui tombe enfin. Mais oui. Oh là 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 là. Le Balbuto Shiny. Oh, on n'osait plus l'espérer. Aïe 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 aïe, on n'osait plus. On n'osait plus. On n'osait plus y penser, YouTube. Aïe aïe aïe. Il est magnifique. Il est de toute beauté. Il est de toute beauté. Je suis tellement content qu'il tombe enfin. 3182. 3182. Et il tombe enfin. Le Balbuto Shiny. Et oui, il est beau. Il est beau de ouf. Alors, j'aurais grandement préféré avoir Cacnea, puisque Cacnea Shiny m'aurait permis de revenir à cet endroit pour chasser Balbuto et bah, du coup Cacturne, l'évolution que je n'ai pas non plus. Malheureusement, bah, ça, c'est pas ce qui va se passer, puisque bah, voilà, c'est un Balbuto qui tombe. Je suis néanmoins très content. Ça me va très très bien, évidemment. Petit Balbuto, désolé, hein, je suis un petit peu déconcentré parce qu'il y a les expéditions qui tournent en même temps. Mais voilà, 3182 rencontres, j'en pouvais plus. Plus de deux fois le taux, évidemment. Pour un random encounter, ce que je pensais voilà, faire rapidement, ça s'est un petit peu éternisé. Mais ça y est, ça tombe enfin, on va pouvoir avancer, faut évidemment le capturer. Il n'a pas d'attaque pour exploser à ce niveau-là normalement, mais on va vérifier tout ça et puis c'est parti. On va aller capturer le Balbuto Shiny, je vais switcher directement sur Chapignon. Chapignon, il n'a pas d'attaque pour se blesser, il a juste potentiellement pouvoir antique, il me semble, qui peut lui permettre de se booster pendant qu'on gagne l'expédition de l'autre côté. Merci à vous. Merci à vous. Ok. Et on va sport un coup. Voilà. Je vais pas nécessairement le mettre à un PV pour l'instant. Je vais essayer juste essayer de capturer comme ça vite fait. Est-ce qu'il y a une balle qui passe bien avec lui? La rapide balle. Bien joué le chat. Pendant ce temps, Karabaf n'est pas shiny, je crois. Mais Moartic shiny. Mais non. Aïe aïe aïe. Mais oui, mais... Mais oui, mais je l'ai déjà. Je l'ai chassé il n'y a pas longtemps. Et on l'a capturé. Mais quel lui. Mais non. Aïe, aïe, aïe. Oh, merde. Mais je l'ai déjà et je l'ai chassé il n'y a tellement pas longtemps en plus. Aïe, 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 aïe. On se retrouve avec... Pendulum, du coup le Balbuto Shiny, donc Pendulum pour sa forme, hein, qui fait penser à un Pendulum, j'espère que je le dis bien. Donc il est mauvais de nature, ça augmente l'attaque, ça baisse la défense P, c'est vraiment pas ouf pour lui, puisque l'attaque on s'en fout, et la défense P au contraire c'est une de ses meilleures stats, donc on aurait bien aimé la garder à un niveau élevé. Il a l'évitation en talent, c'est le seul talent qu'il peut avoir, qui lui permet d'éviter les attaques sol, aucun intérêt pour ce Pokémon là, mais bon ça lui fait une immunité théorique, donc pourquoi pas. Pas d'IV à 31. Pas d'IV à 31 pour Pendulum et des attaques normales pour son niveau. Il n'avait effectivement pas explosion ou destruction ou que sais-je. Tout s'est bien passé. Un petit Pokémon en plus dans le deck. Juste dommage pour Cacnea encore une fois que je vais devoir chasser autrement parce que là ça serait une chasse à 33% maintenant. Donc ça commence à faire. Ça commence à être compliqué. Donc bref, voilà. Petite chasse dans le désert, un random encounter, je le reprécise. Fort sympathique. Nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo YouTube. Le chat t'a dit au revoir, t'a dit comment soutenir tout ça. Voilà, Schizofly a dit bye YouTube, n'hésite pas à commenter, liker, partager, petite cloche, petite clocher. Tu peux nous rejoindre aussi sur Twitch, il a tout dit. On se retrouve très bientôt, n'oublie pas le commentaire, même un simple GG, c'est génial. A bientôt, des bisous, prends soin de toi, salut.